Ce qui m'amène donc au sujet plus spécifique des entités compétentes dans la conduite des relations internationales, la Belgique a passé le cap, effectivement, de reconnaître la compétence de ces entités fédérées de participer aux relations internationales de la Belgique. Et donc vous avez un schéma réparti sur base de compétences exclusives. Donc que ce soit l'autorité fédérale ou les entités fédérées, elles sont sur pied d'égalité pour conclure les traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives. Donc en matière de défense, l'État fédéral conclut seul les traités internationaux. Dans les matières de compétences des communautés régions, environnement, une partie du commerce, plein de matières donc, qui sont de compétences des communautés régions, elles concluent seules les traités internationaux. Et donc vous avez effectivement un cas emblématique d'un traité conclu directement entre la France et la Hollande avec les régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. La Belgique n'est pas partie à ce traité, et il s'agit bien d'un traité international parce que dans le droit constitutionnel belge, seules les régions ont la compétence de conclure ces traités dans ces matières-là. La France et la Hollande ont reconnu cette compétence, et donc il s'agit d'un traité international comme les autres traités internationaux conclus par la Belgique.